Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec le comte Noctilus. Donc, on finissait notre tour, que voilà qui est fait. On va rapidement essayer d'améliorer nos revenus en faisant des caches pirates un peu partout à travers le monde et pouvoir être partout chez nous. Voilà. Alors, ça défile pas vite tout ça quand même, hein. Et puis je suis pas sûr que ça soit plus rapide au... Enfin si, sur les derniers tours, là... Ok. Voilà, technologie recherchée. Parfait. Un de vos gars m'a envoyé un message étrange, Captain. On dirait qu'un pirate s'amuse à nous suivre dans les tavernes et sur la côte. Il poserait des questions bizarres sans mettre de forme. Faut rester sur nos gardes. Bah c'est pas lui qu'on a buté ? À l'instant. Vestige de bataille. On a ce truc là qui est pas loin. Du coup on va s'approcher. Voilà, on ira voir ce que c'est. Putain, on n'a pas vraiment un gros déplacement. Ok, Astrolabe d'Amiral, ce monsieur, lui, on l'avait envoyé par ici. Voilà, et au prochain tour, voilà, nous pourrons établir une crique vampire à cet endroit-là. Donc on fera ça au prochain tour. Ici, on va pouvoir améliorer... Oh, allez, on va essayer ça. On verra bien si ça marche ou pas. Ici, on est à combien? 5 tours avant le prochain surplus. Oh là là. Il va falloir qu'on fasse du surplus de population par ici. Hein. Ok, ok. Bah, on a bougé. Il nous reste pas grand-chose à faire. On peut peut-être voir avec ce monsieur, histoire de faire un petit pacte de non-agression. Voilà, non, tu rejettes carrément comme ça. Ok. Ce monsieur, petit pacte de non-agression. Non, il rejette aussi. D'accord, c'est sympa. Calédor. Alors, Calédor, ça doit être ça comme faction, donc on risque d'aller les voir. Et le clan Echim qui a 2 colonies et avec qui on ne veut pas faire de traité. Voilà, donc parfait, on va pouvoir... Finir ce tour, paix négociée entre le clan Echim et le clan Pestilence. Ah tiens, ils étaient en guerre. Faction détruite, les mutants de la côte vampire. Ah, bah tiens. Qui les a détruits ? Qui a fait ça? Bah, j'ai pas regardé si on pouvait confédérer avec d'autres factions de pirates vampires. C'est une bonne question, ma foi. Ah bah c'est d'accord. Ok, bah écoute. Très bien mon gars. Parfait. Du coup, bah nous... On va faire voile vers Calédor. Pendant ce temps-là, ce petit monsieur va aller nous faire une petite crique vampire. Voilà. Ah, je peux pas... Ah, peut-être pas ce tour-ci, du coup.
Voilà, on va lui donner de l'établissement de... Et si tu pouvais venir par là par la suite, qu'on aille voir où se trouve Calédor. Ah bah merde, il a une armée pleine ici, lui. D'accord. Et je suis un pile à sa portée, putain. Ok, ça va piquer là, je crois. Fin du tour. Voilà, on va voir ce que va nous faire Calédor. Rien apparemment. Ils ont dû juste se déplacer. Paix négociée, guerre déclarée. Les réfugiés de Tor Elitis. C'est qui ceux-là? Encore des nouveaux. Alors, il est comment lui? Ridiculous. Flotilla of the Dawn. Je suis pas sûr que l'attaquer soit une très très bonne idée. Et en même temps, je vois pas trop quoi faire d'autre. Ah bon, je peux recruter qu'un. Ah bon. Ok. J'ai peur que ça fasse très mal quand même. Hein. C'est surtout ces unités-là qui me font peur. Parce que moi, j'ai pas grand-chose en unité. Donc, on va faire un truc. Hop là, on va tricher un peu. Hop, sauvegarde. Et... mon cher ami. Oh la vache, oui. D'où il me sort une armée comme ça, ce ping-boule. Quelle peine à jouir celui-là. Ok, fin du tour. Donc lui, il continue son mouvement. Ah mince, j'ai pas essayé de construire ma truc ici. Oh. Ben.
Ivresse a été détruit. On a rencontré Illyrion. Qui vont où? Ok. Donc eux nous ont pas poursuivis. C'est assez étonnant. This serves my cause. Du coup. On va venir ici. Voilà. Ici. Alors, on a le choix entre le repos des pirates, hein, famille obtenue 60 par tour, rente seigneur plus 1, héros recrutable plus 1. La région sera visible par votre faction lors de votre tour. Infamie 40 par tour, corruption plus 5, corruption dans les provinces adjacentes plus 3, la région sera visible. Ok, donc ça c'est plus d'infamie et plus de corruption apparemment. Et ici, ça serait plus d'infamie, revenus provenant des revenus de la colonie locale, la région sera visible, et ça c'est quoi? Infamie, revenu généré. Ouh. Oh, moi je pense qu'on va poser ça, moi. Voilà, des thunes, mon gars. Voilà, pendant ce temps-là, toi. Ah non, tu peux pas aller à l'enclume de vol. Mais c'est terrible, ça. Ah, je ne peux pas si... D'accord. D'accord. Et je ne peux rien faire d'autre, en fait, avec ce perso-là. Je peux pas attaquer, je peux pas... Bah, du coup, on va aller plutôt vers Angérial. Et puis on ira lui poser une petite crique vampire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Non mais... Tu te bouges, oui? Vache! Ici, on est en train de se régène. Par contre, du coup, ce qu'on va faire... Et fin de tour. Ah, ça y est, guerre déclarée entre la côte vampire et Telaxtlan. Que c'est plus rapide, je suis pas sûr quand même. Allez. Région attaquée. Ah.
Ah bah c'est pas chez nous, alors ça nous gêne pas. Mission envoyée, faites un raid sur ces gens-là ou ces gens-là. Ok. J'ai 21 tours. D'accord, ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, mais t'as vu où c'est, mec? Dis donc, tu m'envoies pas trop à trifouiller les bains, toi, non plus. Du coup, ah, mais tiens, lui... je pense qu'on va commencer à lui faire des bâtiments de recrutement. Count Noctilus Reigns. Voilà, et puis du coup je pense qu'on va aussi commencer à l'envoyer là-haut pour qu'il nous recrute peut-être quelques meilleures troupes. Histoire que on puisse Ah oui, 2939 quand même hein. Ça je ne peux pas, il n'y a pas de port. Donc bon, on va s'approcher. Puis voilà. Un truc que je voulais voir aussi, donc ces gars-là... Ah ouais, non, on peut pas faire de confède avec eux. Non, il ne peut pas. Puis même pas, hein, ça s'améliore plus. Pourquoi? Parce que je te fais plus des cadeaux. Ouais. Bah ça devient... ça commence déjà à être... particulièrement au kikinon, on va dire. Parce que s'attaquer aux elfes, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc bon, on va déjà retourner... sur notre territoire, essayer de voir pour recruter... garde déclarée à Velorn et Lyrion. Ouais, qui va faire nos affaires. Vous voudriez pas entraîner d'autres vampires, d'autres aux elfes avec vous dans vos guerres, hein, histoire de vous taper dessus entre aux elfes? Parce que nous, avec une seule colonie là, deux colonies, on va vite se retrouver hyper limité en revenus et ça va pas être génial. Hein. Ok, allez. On défile les gens, on défile. Voilà. Donc nous. On se remet en marche normale. Voilà, on va peut-être même en prendre un de plus. Voilà, ces gars-là, je pense qu'on va en virer une pelletée aussi. Voilà, pour plutôt... C'est quoi ça? Des artilleurs pirates bombardiers, oh.
ready to leave. Voilà, on va faire ça pour le moment. Ça va nous prendre deux tours. Mais on aura un peu des meilleures troupes. J'ai un héros non déplacé, donc j'ai pas de revenus pour faire une crique pirate dans le coin. Donc bon, on va le laisser là. À moins que je l'avance vers l'hôtel d'Azurion, je sais pas s'il y a un port à cet endroit-là. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de port, ok. Donc, non, bah, laisse tomber, en fait, reviens par ici. Voilà, et fin du tour. Guerre déclarée, mais c'est bien ça, tout le monde se déclare la guerre, faites donc ça. Entretuez-vous. Ne laissez que des ruines que je viendrai coloniser. Ah putain, leur v'là lui. Il m'agace lui. Hein. Ah, et puis du coup j'ai encore un tour de recrutement. Ok, cette recherche-ci est terminée. Donc on a les astrolabes. Domination mortelle. Coût de construction moins 15 pour les bâtiments d'infrastructure. Revenu des ports plus 10. Coût de recrutement du seigneur. Bonus contre l'infanterie. Rang de recrutement pour les boucaniers. On va peut-être prendre plus de croissance pour commencer. Hein. Où ça? Oh mais c'est loin de chez nous ça, on s'en moque. Ok, toi, est-ce qu'on peut... Non, ça augmente à chaque fois, mais c'est quoi ce bordel? Plus j'ai de thunes, plus ça augmente, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est quoi ce bordel? Time to call. Ruthless. Futile. My madness is... I'm happy to fulfill your death wish. Is that not... Why do you pest us? Oh, tu m'énerves, toi, je vais te tuer aussi. Ça commence à me saouler aussi que tu me dises non. Ben qui perd patience, hein. Donc lui, il va m'attaquer le marais de la peste, bien entendu. Et voilà. Putain. Est-ce que ça me saoule? Je vais arrêter de jouer à ce jeu pendant un temps, je crois, parce que c'est en train de m'énerver. Cette façon qu'a l'IA de toujours vous mettre un coup d'avance comme ça, ça m'énerve. Bien sûr, je ne pouvais pas venir là, puisque du coup, je ne pouvais pas recruter. Donc, il fallait que je retourne là-bas. Putain. Toujours tout un tas d'armées de merde. Un tourmenteur. Count Noctilus Reigns. Et du coup, on va lui trouver une petite place dans notre armée un peu plus tard. Donc toi,
unwise. Bring ruin. Misguided. Donc à peu près ici, ok. Certainly not. Mind that recoil. Misguided. Ok. Donc lui, toujours pas, hein. T'es toujours aussi con. The wind may shun me, but I am still a master at inflicting. This smells fishy. Ok. Allez. Allez, fin du tour. Et puis fin de l'épisode. Ah là 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 là. Donc lui il en a 4 mais il a repris quoi du coup? En tous les cas c'est pas sur les côtes hein. Eh bah, voilà, on s'en doutait. Par contre, du coup, t'as bien mangé. Du coup, dès que je vais te choper, mon gars, tu vas mourir. Voilà, bah t'as bien fait parce que tu vas mourir au prochain tour, c'est pas grave. Parce que du coup, t'as rasé, mais tu peux plus bouger. Et regarde qui c'est qui arrive derrière toi. Avec une armée fou de saloperies. Allez, dépêche-toi, je veux aller le tuer. Voilà, putain ma colonie, quoi. Foiré de merde. Je suis défoncé. Voilà, donc colonie rasée, musicien talentueux, tiens. Portée de déplacement de campagne plus 15. Oh merci. Oh merci. Et il va pas pouvoir faire l'action. Si, c'est bon. Voilà, et en plus ils se prennent de l'attrition parce qu'ils sont sur un territoire vampire, donc hein, c'est juste... Dès qu'on va se les choper, on va les faire manger. Fouiller, répandre la corruption, endommager les bâtiments, assassiner... Action fouiller, revenu issu des butins post-bataille, augmentant... Voilà, bah c'est déjà la fin du tour, on a à peine bougé de perso qu'on est déjà à la fin de notre tour, lui ici ne peut rien faire parce que forcément on n'a pas les thunes. Et il peut rien faire quoi, il sert juste à rien là en fait. Ouais, c'est pas grave, on va l'envoyer explorer. Ce sera toujours mieux que de le laisser à rien foutre.
Ok, bon bah voilà. Donc, on va s'arrêter là. Pour cet épisode, donc vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits commentaires et conseils, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures avec le comte Noctilus. Allez, gros bisous, à demain.